Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages pour me demander si leur projet est réalisable ou non. J'ai décidé de démarrer cette petite série, j'espère qu'elle va beaucoup vous plaire, où on va voir des designs d'applications, on va voir si le design est réalisable et si les fonctionnalités que propose ce design sont aussi réalisables. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si le concept de cette nouvelle série vous plaît. Mettez aussi en commentaire un petit message pour pouvoir aider au référencement et me dire ce que vous en pensez, parce que je lis chacun de vos messages et j'y réponds. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et partager un maximum cette vidéo bien entendu pour aider la chaîne. Allez, let's go, c'est parti. Donc rien de plus simple, on va aller sur le site Dribbble, d'accord, où on va aller dans la section mobile. On va prendre les 2-3 premiers, d'accord, et on va les commenter tout simplement, ok. C'est parti. Alors voici la toute première application. Attention, je ne vais pas juger sur un framework spécifique ou un langage spécifique, hein, que ce soit Flutter, Android, iOS, peu importe. Du coup là, je vais vraiment juger est-ce que c'est faisable d'une manière générale. De toute façon, tous les langages sont capables de faire à peu près les mêmes choses, hein, c'est les performances, etc. qui changent. Et est-ce qu'on est à l'aise ou non sur ce langage, bien entendu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur quel langage choisir en 2020, mais c'est aussi valable pour 2021 parce que du coup, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je mets le lien en description. Alors regardez, cette toute première application, il n'y a rien de vraiment compliqué. On voit ici qu'on a un onboarding, c'est-à-dire au démarrage de l'application, on affiche justement des pages, voilà, qui montrent comment fonctionne l'application. Ça, vraiment, tout est faisable là-dedans. Regardez, hop, je zoome un petit peu plus. Tout est faisable là-dedans, le petit indicateur qui est là, on va pouvoir scroller à droite, à gauche. Les boutons, voilà, tout est vraiment faisable. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un onboarding? Oui, si votre application est compliquée, c'est toujours une très bonne idée pour justement aider du coup les gens à s'intégrer dans votre application et à mieux utiliser votre application. Donc ici, en dessous de ça, on a le petit logo, bon, pourquoi pas, hein, d'accord. Et puis ici, on voit aussi qu'on a encore le View Pager, donc à partir du moment, je suppose, où on scroll. Là, vraiment, la seule spécificité, le seul petit point qui pourrait être un peu compliqué, c'est voilà, quand on scroll, l'indicateur, il est un peu plus large que les autres indicateurs. Mais ça encore, il y a beaucoup de solutions pour le faire, donc rien de très complexe. Donc on va passer tout de suite au suivant, parce que là, pour le coup, il n'y a rien de compliqué. Ok, on est sur le deuxième. Il y a beaucoup plus de choses déjà à commenter. Là, il y a vraiment énormément de choses. On va pouvoir commenter tout ça et on va pouvoir un peu s'amuser. Je vais pas juger le design, hein, parce que du coup, c'est pas mon domaine d'expertise. Je laisserai des designers le faire. Et pourquoi pas, si cette série fonctionne, le faire avec un designer à côté de moi pour pouvoir commenter aussi le design. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, si vous êtes designer et que vous voulez participer à une de ces vidéos-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message. Du coup, ici, au niveau design déjà, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable? Là, comme ça, on va commencer par le tout premier écran qui est juste ici. C'est faisable, hein, c'est juste des images, il y a un overlay par-dessus. Donc du coup, il y a un petit effet. Alors oui, les petits effets qui est là, l'overlay est peut-être un peu complexe à faire. Voilà, donc ce sera à voir, ce sera à juger. Je sais que sur Android, je sais le faire. Sur Flutter, il y a des façons de le faire, mais est-ce que ça rendra la chose beaucoup plus aussi nette que ça, je ne sais pas. Ce sera à tester, c'est le seul point où vous pourrez dire à votre designer, ok, laisse-moi juste tester, voilà. Mais pour moi, c'est faisable. Ensuite de ça, juste en dessous, on a un pager, je ne sais pas encore ce que ça donne, je ne sais pas en fait, si on scroll vers la droite ou la gauche, est-ce que c'est tout qui change, voilà. Donc bon, j'ai dit que je ne jugeais pas le design, mais là c'est vrai que c'est pas très clair, donc on va pas trop juger ça. Mais en tous les cas, ce petit bottom sheet qui est juste là, rien de très compliqué, hein, c'est même pas forcément un bottom sheet, c'est juste un élément qui est en bas de l'écran avec des bords arrondis. Ça, dans tous les langages, on peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Commentons ce qui est au milieu, parce que là, vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, tout là-haut, d'accord? Tout là-haut, on voit qu'on a une liste horizontale, donc les deux premières lignes, c'est juste des textes, hein, donc rien de compliqué. Mais par contre, on a une liste horizontale ici, et on voit que chaque élément est complètement différent. Donc ça, sur Flutter, Android, iOS, aucun souci pour faire des éléments différents. Ça doit être le modèle, voilà, de l'objet qu'on va utiliser, qui va nous dire est-ce qu'il faut que je mette des pointillés, est-ce qu'il faut que je mette telle couleur, quelle est la petite icône que je vais mettre juste en dessous, d'accord, le prénom, etc. Ça, aucun souci. Alors, un scroll horizontal, il n'y a aucun souci de le faire aussi. Donc là, par contre, il y a aussi un scroll horizontal sur un scroll vertical. Bon, à un moment donné, on disait qu'on pouvait pas vraiment le faire, enfin que c'était pas recommandé. Aujourd'hui, beaucoup d'applications le font, Facebook, Instagram, beaucoup d'applications vraiment, et c'est vraiment pas difficile à faire. Donc là, sur tout ce qui est là, rien de très compliqué. Passons directement à catégorie, et depuis le début, je l'ai vu ce truc-là, et je vais vous en parler. C'est que ici, on a des tailles différentes
en fonction, voilà, de est-ce que je suis le premier ou est-ce que je suis second. Donc, c'est faisable, d'accord, il n'y a rien de ultra compliqué, mais ça demande quand même du code spécifique. Il faut faire quelques petites recherches, à mon avis, pour le faire. À mon avis, lorsqu'on va scroller comme ça pour mettre futuristique, la carte futuristique, celle-ci doit s'agrandir au fur et à mesure et prendre la taille de nature, ok. Donc ça, c'est peut-être un peu complexe à faire. Voilà, je préfère vous le dire. Ça, je pense que c'est complexe à faire. Moi, personnellement, je trouve pas que ça apporte grand-chose. J'aurais négocié avec le designer, tout simplement, parce qu'on peut toujours négocier, d'avoir exactement la même taille pour toutes les cartes, tout simplement. Ensuite de ça, il y a peut-être des plugins qui permettent de le faire directement. Voilà, sinon, s'il faut le faire à la main, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, mais en tous les cas, moi, je serais parti sur une petite recherche de plugins, voilà, de lib qui me fait ça pour moi. Et si jamais on ne le fait pas, j'aurais négocié. Si jamais je ne trouve pas, j'aurais négocié avec le designer. Et si jamais le designer y tient, bah, j'aurais codé moi-même, bien entendu. Ensuite, en dessous, on voit que c'est d'autres types de cartes. Donc, il n'y a aucun souci. Hein, c'est une liste avec plein de listes horizontales. Donc, voilà, c'est pas trop l'idéal parce que j'aime pas trop avoir de scroll horizontal sur un scroll vertical. Je trouve que pour l'utilisateur, c'est pas forcément hyper pratique. Mais bon, là, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Pourquoi pas l'essayer. Il n'y a rien de très compliqué. Je vous ai dit ce qui était à peu près complexe. Pour la barre en bas, d'accord, donc la barre de navigation qui est en bas, rien de compliqué, il y a déjà plein de plugins dessus qui existent, que ce soit sur Android, iOS ou Flutter ou d'autres frameworks. Vraiment, là, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est du standard total. Pour la partie de droite, je vais juste retenir une difficulté, c'est les overlays, voilà, donc on voit très bien que la partie, voilà, 52 postes, etc., est plus haute que la carte qui est juste en dessous, qui nous donne les informations d'un utilisateur, et celle-ci est au-dessus aussi, hein, on a une petite ombre du background. Donc voilà, il y a une histoire d'overlay qu'il faut gérer, ce sera seulement ça qui est compliqué, et encore, aujourd'hui, vu que les overlays, on aime bien dans le mobile, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour le faire, voilà. En dessous, rien de compliqué, c'est une carte. Voilà, donc du coup, l'application en elle-même, je la trouve vraiment pas compliquée, le design vraiment pas compliqué, les fonctionnalités... Pour moi, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien, en fait. Donc, du coup, rien n'est compliqué. C'est largement faisable. Passons à la suite. Et là, encore une fois, il va y avoir des choses hyper intéressantes, juste comme ça, de vue. Hein. Passons directement à la première vue. On voit que, en fait, on a des analytics. Hein, donc, du coup, vraiment, voilà, des données qu'on a envie d'afficher sur une application. J'ai l'impression que c'est une application de livraison. Voilà, donc, pour donner des statistiques sur des livraisons. Pourquoi pas, hein, d'accord, donc la fonctionnalité, est-ce que c'est nécessaire ou non, est-ce que ça va être utile à certaines entreprises? Certainement que oui. Jugeons un petit peu les fonctionnalités et le design. Déjà le design noir comme ça, sobre, moi j'aime bien personnellement, c'est mon avis personnel. Comme ça, il n'y a rien de très compliqué à mettre des petites cartes, je parle vraiment de la première vue. Hein. Là où il va y avoir des choses un peu plus complexes, j'irai, c'est sur ce petit trafic là, ce petit graphique de trafic, voilà, je vais y arriver, graphique de trafic, c'est ça que je voulais dire, hein. Ça par contre ça va être compliqué, oui, ça c'est complètement du custom, je sais même pas comment ça marche, il y a peut-être des libs qui permettent de faire des graphiques aussi personnalisés, là je pense que ce sera vraiment du custom, c'est à vous de le coder, et ça pour moi, j'aurais vraiment négocié pour quelque chose de beaucoup plus simple, parce que ça va prendre beaucoup de temps, voilà, c'est faisable, hein, faire des graphiques, c'est toujours faisable. En revanche, ça va prendre du temps. J'aurais peut-être fait une liste horizontale ou je ne sais pas trop encore comme ça quel choix j'aurais fait. J'aurais testé pas mal de choses. Peut-être une petite liste horizontale, ça aurait été beaucoup plus simple. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a peut-être mieux à faire. Peut-être beaucoup plus complexe aussi. Là, je dirais que la difficulté de ce projet, c'est vraiment ce graphique. Au-dessus, afficher une image. Bon. C'est afficher une image, hein. Des textes en couleur, une flèche en haut ou en bas, ça c'est vraiment pas compliqué, il n'y a rien de complexe là-dedans, d'accord. Ici, il faut voir aussi que votre graphique, quand on va cliquer sur week, donc semaine ou année ou mois, hein, et ben il change, donc ça sera aussi un graphique pas statique du tout, donc ça peut pas être une image. En plus ça je crois qu'on peut scroller donc c'est pas du tout une image. En bas la navigation, rien de très compliqué, hein, la button navigation elle a rien de très compliqué, il y a juste voilà là un petit point d'exclamation à afficher, c'est faisable aussi normalement, donc voilà une petite notification comme ça en rond, c'est normalement faisable, donc rien de très compliqué là-dessus non plus, voilà faut juste la designer, hein, d'accord, par contre faut la customiser et ça c'est faisable. Au milieu il y a un champ de recherche. C'est du classique, on a déjà vu ça dans beaucoup d'applications et c'est faisable. Et une liste avec plein de petites choses.
rien de très compliqué là non plus, donc on va pas trop s'attarder, je ne vois pas. Si, voilà, peut-être la seule chose peut-être assez complexe, c'est de mettre ça comme sous forme de tableau, voilà. Donc on voit bien Product, Shipper, Status, et juste en dessous, voilà, on voit bien que c'est un tableau en fait le truc, hein. Donc certains frameworks permettent de le faire très facilement, où on gère aussi des tableaux, d'autres où on gère aussi des grids par exemple, donc c'est assez simple, d'autres où ça peut être un peu plus complexe, donc à voir selon le langage que vous utilisez et le framework que vous utilisez. Ensuite de ça, on est sur la partie de droite, on a aussi un graphique, c'est un petit camembert. Alors, normalement, il y a pas mal de libs qui permettent de le faire. Donc ça, je suis pas trop inquiet quand je vois ça dans un projet. Je dis, bon, si vous le voulez, je le fais, quoi, d'accord? Il y a des libs qui permettent de le faire. Et même plus simplement, en natif, on peut le faire aussi. Hein, il y a des progress indicateurs qui permettent de le faire. Donc ça, pour moi, ça pose aucun problème. Il n'y a aucune difficulté de faire ce genre de graphique par rapport à ce qu'il y avait juste avant. Ça pose aucun problème. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si des fois, vous avez des solutions que moi je n'ai pas forcément, hein, j'ai pas la science infuse, vous pouvez avoir des meilleures solutions pour donner. Ce qui va être compliqué sur cette page là, c'est le petit trait qui est juste ici. C'est faisable, je l'ai déjà fait dans beaucoup d'applications, mais c'est aussi un petit peu touchy, il faut savoir le faire. Donc il y a plein de solutions encore une fois à mettre en place, il y a aussi des libs qui permettent de le faire, je sais en Android par exemple, donc certainement en iOS, en Flutter peut-être aussi, vu que c'est nouveau je ne sais pas, il faut chercher un peu. En tous les cas, c'est faisable, d'accord? C'est faisable, mais ça peut être compliqué. Vous voyez, le point doit être juste à côté du texte et le trait doit s'allonger jusqu'au prochain texte. Donc, ça peut être compliqué. Voilà, juste je le dis. Vous voyez, vous pouvez aussi mettre des couleurs différentes. Je sais que, l'ayant déjà fait sur Android, j'avais un peu galéré au début jusqu'à ce que je trouve, voilà, une technique pour le faire. Voilà, c'est ma petite réserve, il y a ça à faire, c'est faisable, il y a beaucoup d'applications qui le font encore une fois, hein, mais il n'y a pas forcément de lib spécifique, peut-être que vous en connaissez, hein, mais c'est pas du natif en tous les cas, hein. Donc juste un petit point là-dessus, ça peut être compliqué à faire. Vous savez quoi, j'en ai sélectionné encore deux, c'est les deux suivantes parce que je trouvais ça intéressant, il y a celle-ci qui est super intéressante, le design je le trouve magnifique, il est vraiment bien, d'accord. Sauf que vraiment, pour le coder, vous allez me dire, vous, en commentaire, si vous avez des solutions, c'est pas forcément si simple. Déjà, le blur qui est là sur Android, c'est compliqué à faire. Voilà, sur le blur sur Android, c'est compliqué. Je sais, iOS, c'est très simple. Sur Android, le blur, c'est compliqué. Il y a des petites choses à faire, mais ça prend beaucoup de mémoire. C'est compliqué à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, bien entendu. Ensuite, ça, bon, les petits boutons, c'est pas grand-chose, et ça, c'est pas grand-chose. Là, je voulais vraiment vous parler du blur. Passons maintenant à la vue qui est juste au milieu, et vous allez voir comment c'est assez complexe. C'est qu'ici, on a carrément un design assez particulier. Donc, moi, ce que j'aurais fait ici, j'aurais demandé justement un PNG à ma designeuse, avec ici de la transparence, bien entendu, et j'aurais placé l'image comme ça. Il faut savoir aussi qu'on a des écrans de différentes tailles. Donc là, c'est un iOS, hein, ça se voit, on a la petite barre qui est là. Et si on le faisait aussi sur Android, on a des écrans de différentes tailles. Donc, cette image-là, il faut savoir si on l'étire, s'il faut la cropper. C'est pas forcément si évident si on veut qu'elle s'élargisse au niveau de la hauteur pour pas qu'elle soit déformée. Je ne sais pas, c'est pas forcément si évident que ça pour cette petite image. Bon, moi je l'aurais fait comme ça, j'aurais mis un PNG avec de la transparence juste là. Ici, bon, rien de très compliqué, quoique, parce que du coup, il faut que ça soit juste au-dessus de l'image, hein. Donc si l'image, on ne sait pas exactement sa taille fixe ou ce genre de choses, oui, alors ça va être difficile de placer ce bouton juste à cet endroit-là. Je dis pas que c'est impossible, hein, j'aurais trouvé une solution certainement, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais ça peut être aussi compliqué, voilà, d'accord. Donc le design est plutôt cool, et plutôt beau, mais il n'est pas si simple à mettre en place. Là on switch par appel visio ou vocal, on raccroche, ici tout simplement c'est pour couper notre micro, ok. Là je suppose pour changer de caméra, je suppose, hein. Et puis là pour ne plus entendre la personne, mais si c'est un appel je ne sais pas pourquoi on ne voudrait plus l'entendre. Bon, ok, peu importe. Et là, la durée de la communication, pourquoi pas. Et encore une fois, le petit blur ici. Bon, allez, on passe très rapidement pour celui-ci. Je voulais juste vous montrer le blur et le design un peu particulier qui est là. Allez, la dernière qu'on va commenter, c'est celle-ci, qui me fait penser aux mignons, donc j'aime bien. Donc le design, franchement, je le trouve hyper cool. On va commenter très rapidement la faisabilité, bien entendu. Ici, encore une fois, on a un graphique. Vous savez que les graphiques, il y a pas mal de libs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment du spécifique. Donc du coup, à voir si on trouve une lib, bien entendu, qui fait ça. Mais c'est toujours un peu compliqué quand on a des graphiques à trouver la bonne lib à personnaliser. Ça prend du temps, en fait. Voilà, tout simplement, ça prend du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que c'est infaisable, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps.
En dessous, on voit déjà qu'on a un calendrier où on peut mettre la petite tête, là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien la petite tête de est-ce que je suis content ou pas ce jour ou non. On va parler aussi de la fonctionnalité, hein, parce qu'elle est vraiment intéressante. Et bien, du coup, cette petite tête, ça peut être aussi compliqué à mettre dans un calendrier natif ou une lib, à personnaliser ça à ce point-là. Là, vraiment, le projet, pour la première vue, n'est pas facile à faire. Voilà, il faut savoir, c'est pas facile, le graphique, le calendrier, tout est personnalisé, c'est pas facile. Ensuite de ça, le button navigation qui est juste là, elle est classique entre guillemets, je dirais, parce que vous voyez ici, j'ai un contour qui est vraiment arrondi, c'est faisable. Après, c'est pas forcément simple, il va falloir passer du temps dessus pour avoir le même design. Donc ça, tout ça, franchement, ça prend énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, c'est pas genre une ou deux heures, hein. Ça peut prendre plusieurs journées, plusieurs semaines pour faire ce genre de choses, d'accord ? Ici, pour cette tab bar, c'est pas très compliqué non plus. La personnaliser comme ça, je dirais qu'il y a juste le shader qui est là, la petite ombre qui est là, qui pourrait être compliqué. Oui, ça pourrait être compliqué parce qu'elle est un peu transparente. Voilà, il y a juste ça. Maintenant, le deuxième. Bon, bah, vous voyez très bien déjà que ça dépasse. Vous voyez, ça dépasse ici. Donc, mon designer, il me donne ça. Je lui dis, attends, refais-moi un bon design. Hein. Ensuite, ça, pour ces boutons ronds. Là, comme ça, je dirais que c'est faisable. Peut-être mettre des floating action buttons ou ce genre de choses. Je sais pas trop pour que ça donne cet effet rond, hein, bien entendu. Ou des images, quand je clique, ça change d'image. Pourquoi pas aussi. Je dirais que c'est faisable. Voilà, après, il faut personnaliser. Non, je dirais que c'est faisable. Voilà, j'aurais mis deux images, voilà. Tout simplement, une image avec le rond noir, une image tout blanc, comme ça. Et quand je clique, je change d'image, voilà, tout simplement. Et le texte à l'intérieur, du coup, je le mets à l'intérieur de l'image. Peut-être que comme ça, ça passerait largement. Ensuite, ça, lorsqu'on clique sur les boutons, je suppose que la tête change, d'accord. Et ça, bon, c'est juste une image qui change en réalité, mais peut-être avec un petit fade, une petite animation, ça pourrait être plutôt sympathique. Donc non, le projet, moi personnellement, un projet comme celui-ci, je prendrais beaucoup de fun à le faire et j'aimerais bien travailler sur un projet comme celui-ci parce que franchement, voilà, le design m'inspire et je trouve plutôt fun, d'accord. Ensuite ça, à droite, voilà, petit graphique comme ça, il y a des libs qui permettent de le faire, je le sais. Bon, bah du coup, j'aurais pas trop peur de le faire, il y a des petites libs qui permettent de le faire. Après, à voir si c'est vraiment customisable à 100%. Je les ai jamais mis en place. À voir. Je ne sais pas trop, mais on pourrait peut-être s'en sortir pour ce design-là. Voilà, donc du coup, je trouve que la fonctionnalité en elle-même, elle est plutôt fun. Le design rend l'application vraiment, vraiment interactive et elle donne envie de rester sur l'application. Voilà, donc ça donne son humeur, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment intéressant, voilà, comme fonctionnalité. Il y a beaucoup d'applications qui existent déjà sur ce style, hein, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'adore commenter ce genre de design, me dire quelle solution je pourrais mettre en place, est-ce que ça me plaît. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce bleu et un commentaire et à partager un maximum cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Le bouton est juste en dessous et c'est totalement gratuit. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.